Bien sûr, je souhaite à la société Solar Group qu'elle atteigne ses objectifs fixés, et cela au déculpe, et qu'elle puisse mettre en œuvre les projets suivants facilement et rapidement. J'espère que Sovelmash réussira à mettre en place et à promouvoir efficacement sa technologie, ainsi qu'à la déployer à grande échelle. Et en général, que tout ce qui a été conçu soit réalisé. Eh bien, je souhaite aux sociétés de continuer à se développer avec le même enthousiasme avec lequel ils travaillent. J'ai été très impressionnée par les dirigeants de Solar Group. À mon avis, ils sont parmi les meilleurs spécialistes dans leur domaine. J'apprécie beaucoup le fait qu'ils font tout leur possible pour attirer de plus en plus d'investissements en lançant des promotions et en travaillant avec des partenaires et des représentants nationaux. Ce sont vraiment de grands professionnels que j'admire. Je leur souhaite de continuer comme ça et j'espère que nous aurons encore des succès communs. En ce qui concerne Sovelmash, je peux dire que ces ingénieurs et développeurs sont vraiment des professionnels de très haut niveau. Je connais beaucoup d'entre eux personnellement. Dmitri Doyonov, son fils Eugène Doyonov par exemple, nous avons rencontré Victor Aristov lors des conférences, mais aussi d'autres ingénieurs qui travaillent directement dans le centre d'ingénierie. Je leur souhaite de continuer comme ça et de ne pas arrêter leur travail.